avec Duke Nsanson. Doublé de Duke Nsanson pour permettre que AQRM rete dans Ligue 2A. Et c'est enfin Nazon réveillé. Nazon réveillé pour le permettre que une équipe qui était comptée en pile sous lui. Parce que c'est buteur principal de l'équipe là. Les saisons ont commencé. Monsieur bien commencé saison 1 avec 3 goals et le bien fini saison 1 avec 2 goals. Avec 2 goals, les 2 goals ça va ajouter sur 8 que tu as fait déjà, ça va nous faire 10 goals, 10 goals. En tout sous saison 1. Et tu as joué avec ton club de 3e division. Tu as joué et barrage pour maintien bon, en Ligue pour 2. Maintien en Ligue 2, il aurait été même si après maintien 1 et moins gain et coach principal là qui démissionnait. Je crois qu'on quitté ça équipe là. Je crois qu'on quitté ça, il dit pour des raisons familiales. Donc l'année prochaine parce que pour la saison si nous avons prêté par contre si il gagne off parce que le gars gagne off est-ce que malgré... nous avons dans en Ligue 1 parce que nous avons une meilleure équipe Ligue 2 c'est-à-dire une équipe qui a gommé pour monter en Ligue 2 parce que le gagne Ligue 1 capacité à pas penser que parce que son saison qui fait en demi-temps et c'est vrai qu'il était blessé c'est pas trop bon pour Nazon oui il est blessé il était blessé il est retourné il prend temps pour le prendre forme ni mais et Nazon est un buteur et qui gagne un pile mondial ça veut dire que je pense que Nazon a joué non bon équipe Ligue 2 l'année prochaine qui besoin monter donc la besoin buteur dans Nazon et avec et Nazon tout gagne Stéphane Lambez et puis Metelus oui, de l'autre haïtien qui était dans Ligue 2 avec QRM. Oui, ça veut dire que c'est trois haïtiens qui était dans QRM. Donc, c'est-à-dire que et nous va connaître tous les trois après dans QRM ou si il y a pas dans l'autre équipe. De toute façon, mais pour le moment, QRM était. Et si QRM était en Ligue 2, bonne nouvelle. Agi Auxerre. Agi Auxerre était en Ligue 1. Et Arcus, c'était un élément très important pour. Agi Auxerre qui participait presque dans tout match. Bien que lui jouait moins année ça. Année dernière, il fait toute journée dans Ligue 2. Mais année ça, il fait 35. Oui, année ça, il fait moins, mais il est très déterminé. Mais bon. Et dans deux matchs barrage, il jouait tout net. Il jouait tout, il jouait bien. Il faut nous dire ça. Nous avons un excellent Arcus qui permet que Agi Auxerre monte. C'est phénoménal. Et Arcus Kounia qui va se préconner avec les Messi, les Neymar, les Mbappé. Les Mbappé. Et n'espérez que il n'est pas blessé. On a joué un Arcus, un excellent Arcus. Même j'en ai dit dans Ligue 2A. Et qui a metté, qui a pralé en pile. Et j'ai sous lit dans Ligue 1 parce que je me passais tout. Et peut-être que avec Monté et Agi Auxerre là, Arcus a quitté Agi Auxerre tout. Là, je suis dans le meilleur club de Ligue 1. Pourquoi pas un club qui était déjà là dans la saison ça? Bon, est-ce que Agi Auxerre gagne fait monter dans la Ligue 1? Est-ce qu'il va permettre on les joindre, les gon bon en titulaire comme ça, un bon grain latéral pour céder là en concurrent pour direct? Pour céder là en concurrent direct et me plus loin. Qui est-ce que le va joindre à un prix qui est très raisonnable pour le joindre en l'autre latéral droit qui a bien joué comme ça pour lui? Moi c'est vraiment c'est pas ça qui nécessite parce que Arcus il était attendu dans la Ligue 1. Et si Auxerre pas de qualifié. Mais comme Auxerre tourné, m'pense que le carité, même parce que tout Auxerre mérité par supposé ba mission nouveau contrat. Et Auxerre c'est un club français qui a une belle histoire. Si on te connait en Ligue des Champions, on te connait contre Real Madrid. Oh oui. Et il était 10 ans. 10 ans depuis il pas monté dans la Ligue 1. Il a monté, m'pense que il a supposé blender Arcus parce que Jean qui ça jouer là que Auxerre continue dans la Ligue 1, que le pas continue, parce que Arcus. Toi, tu as été dans la Ligue 1. Pas même été, les cas l'ont pigou championnat. Et comme l'Angleterre. Parce que Arcus gagne niveau pour la jouer dans belle équipe comme Leeds. Arcus gagne niveau pour la jouer dans. Arcus, c'est un latéral de classe mondiale. Clair. M'passe ça, m'passe que Arcus et atteint l'autre niveau qu'on a. Et on après il me croit c'est 4 ans ou 3 ans gain dans Auxerre. Il y a 3 ans à Auxerre. Donc c'est à dire que il était joué déjà en France. Moi pense que Arcus là c'est un joueur Jean Sodi là, son bel latéral de classe mondiale qui a joué dans n'importe belle équipe mi tableau. On pas le courir dire que il a joué dans équipe. Ca bataille pour Europe. Pour Europe même pas dans mi tableau Arcus a joué pour n'importe belle équipe et faut nous dire tout. En parlant de Arcus, n'a pas tenu dans la sélection. N'a pas tenu sélection qui a prévenu, il y a 16 joueurs. 16 joueurs. Qui présent et Afan Cristobal, côté a préparé Ligue des Nations. Ligue des Nations.